Yop, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, messieurs dames. J'espère que le son du jeu n'est pas très fort parce que j'ai l'impression qu'il l'est un petit peu. On se retrouve sur John Wick X. Petite redite de live si vous êtes sur YouTube. Et d'ailleurs, bonjour YouTube, qu'on s'est fait le 14 janvier, tranquillement, le soir. On est sur PS5, bien sûr, et on va découvrir ce jeu qui est disponible sur le PlayStation Now. Je suis en train de regarder sur Google un petit peu d'où il vient. Apparemment, sa date de sortie initiale, c'était en 2019, 8 octobre 2019. Donc le jeu aurait à peu près 2 ans et quelques mois. Il était dispo sur PS4, Switch, macOS, donc PC du coup, Xbox One, ok. On va voir un petit peu ce dont il s'agit, on va voir ça tranquillement ensemble, en espérant que ça peut être chouette. On va voir ça dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a. On est en français, on a des sous-titres, on a un tuto, le reste on est bon. Je vais juste baisser un tout petit peu le volume musique, parce que j'ai pas envie que ça prenne le dessus par rapport à ma voix. Pour lancer une nouvelle partie, sélectionnez votre niveau de difficulté. Le cœur du jeu tel qu'il a été conçu, opérateur, ou alors on a rapide, vous n'aurez que 7 secondes pour choisir votre prochaine action. Non, nous on joue chill. J'ai envie d'avoir du temps, j'ai envie de comprendre. Je sais pas trop de quoi il s'agit, mais bon. Il y a longtemps, bien avant Hélène. Indeed. Fuck. Je vous laisse lire, bien sûr. Surely you must have known our disappearance would not go unnoticed. Oh, sure. I assumed your high table would try. Put up a contract, send someone sniffing around. I didn't think they'd dispatch the devil. I presume our present location is not on any maps. None. Nobody knows about this place. That's probably why your friend started searching at Edgar Wu's place in Chinatown. Mr. Wu is in your employ? He was. He ran everything south of 14th. Made no secret of our relationship. Hell, he was proud of it. I honestly believed that Hex, you, were a fiction. A myth. Je vous mets la cam, hein, juste après, je finis ma clope tranquille. I worked hard on that. Staying out of sight. Until you decided to kidnap us. Yeah, until then. You have a higher purpose. And that purpose requires certain... Okay. Theatrics. I always did enjoy a little theater. Forcément, j'imagine qu'on va commencer avec un tuto vu qu'on l'a pas skip. Ok. Bon, c'était John Wick, hein, ça fait boum boum, revanche... Et puis basta quoi. Ok. Oh. D'accord. Intéressant. Donc on a quoi? On a un pistolet modifié, on a un chargeur, 15 balles. On a 10 de santé, 2 bandages, de la concentration. Et on se tient debout. On a notre arme qui est chargée. Et du coup, on peut faire carré. On peut se déplacer ou faire action tactique. Attendre, changer de posture. D'accord, on peut être accroupi aussi. Ok. Ah, on a nos actions là-haut d'ailleurs. Et on peut... Ah ouais, d'accord, ok. Donc il va falloir qu'on évolue petit à petit dans la map, j'imagine. Ah, ok. J'ai fait le pad, du coup on a un tuto. On peut déplacer la caméra avec le joystick gauche et faire pivoter et zoomer avec le joystick droit. Timing des actions et interruptions. Chaque action prend un temps différent. Elles sont affichées sur la chronologie en haut de l'écran. Le jeu se met en pause lorsque votre action est terminée. Ou si vous êtes interrompu, une interruption se produit si un nouvel ennemi apparaît, si vous êtes attaqué ou si votre action devient impossible. L'interface vous indique d'où vient l'interruption. Attaquer les ennemis avec croix, sélectionner un ennemi pour interagir avec lui, les actions ont des portées pour attaquer au corps à corps, vous devez vous rapprocher. D'accord. L2 et R2, vous pouvez aussi utiliser les touches L2 et R2 pour passer rapidement d'un ennemi à l'autre. Les actions de vos ennemis apparaissent également sur la chronologie sous les vôtres, servez-vous de ces informations. Ok. Corps à corps, frappe un ennemi, inflige des dégâts à sa santé et à sa concentration. Les attaques de corps à corps étourdissent les ennemis. La durée de cet étourdissement apparaît dans la chronologie. D'accord. Intro et exécution. Toutes les actions d'attaque affichées dans la chronologie ont une zone de départ, grise, qui indique le temps de préparation. Les dégâts et les coups sont appliqués au début de la zone d'exécution, rose. Les actions peuvent contenir plusieurs points d'exécution. Les dégâts y sont appliqués individuellement. Ok. Gagnez la sortie. Continuez d'avancer. Ne vous inquiétez pas, le jeu se met en pause. Si un ennemi apparaît, allez vers la sortie. Jeu tactique. Les groupes sont dangereux. Servez-vous du couvert.
coup, hein, faites se mettre à couvert, du coup. Pour casser les lignes de vue, accroupissez-vous et faites des roulades pour diminuer vos chances d'être touché. Chances de toucher, certaines actions ont une probabilité de succès par exécution. Notez en pourcentage. Les probabilités sont calculées au moment de leurs exécutions. Soyez attentif aux barres de chronologie de vos adversaires. S'accroupir augmente vos chances de toucher les ennemis, tout comme rester immobile à les attendre. Bouger ou n'être qu'une petite cible diminue leurs chances de vous toucher. Efficacité des armes à feu, recharger, il y a beaucoup de choses. Recharger, j'ai toutes les balles restant dans votre chargeur. Vous ne pouvez porter qu'une arme à la fois. En ramasser une nouvelle vous prive de celle que vous teniez. Seules les armes planquées par le joueur ont des chargeurs de rechange. Les bandages sont une ressource limitée. Rencontre avec beaucoup d'ennemis. Ce combat va vite devenir dangereux. Surveillez la chronologie, servez-vous des lignes de vue et calculez vos chances. Souvenez-vous qu'être accroupi et vous déplacer réduit vos chances d'être touché. Bonne chance. Les ennemis sont équipés d'armes différentes et ont des comportements différents. Faites attention à leur nom et aux armes qu'ils portent. Un couvert bas vous permet de casser les lignes de vue en vous accroupissant. S'accroupir donne aussi la possibilité d'effectuer une roulade. Faire une roulade est rapide, vous rend difficile à toucher, mais coûte de la concentration. Une pause est parfois nécessaire, le bouton attendre vous permet de faire avancer le temps progressivement. Pour maîtriser John Wick X, servez-vous de la chronologie. La zone supérieure vous montre vos actions. Les zones situées en dessous, celles des ennemis que vous pouvez voir. S'ils vous attaquent, vos attaques s'exécuteront avant les leurs. Vous devriez peut-être vous cacher ou vous déplacer lorsque le point d'exécution sera atteint, pour diminuer les chances d'être touché. Ok. Toutes les actions peuvent être priorisées sur la chronologie, d'accord. Positionnement, assassiner ou pousser. Et poussez-vous permettre de déplacer John et ou l'ennemi lors d'une attaque. Utilisez-les pour les séparer. Les boss ont plus de santé. Vous êtes tombé à court de munitions. Votre santé est basse, Une attaque ennemie arrive. Ok. Bon, on va voir. C'est quoi cette clope là? Catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon, du coup, on va se déplacer ici. Contrôle de la caméra, déplacer les... Ah, d'accord. Ils vont nous remettre le tuto? Ah ouais, non, mais du coup, là, on a capté le tuto, hein, merci. On a lu. Hop, on a lu. Ça, fallait le dire au début, ça. Donc là, j'ai en 0,8 secondes, je peux me déplacer ici. Ok, on a un cum. Je pourrais changer de posture. Il nous a pas vu de toute façon. Et donc il disait L2 ou R2. Ok, ouais, c'est ça. On peut tirer, on a une chance de toucher de 100%. Et sinon, on a que de la mauvaise posture. 1,4 secondes, il va faire quelque chose. Ok. Donc là, si je rechange, ça me prend du temps. Mais lui, il ne bouge pas. Je vais me déplacer ici. Et là, normalement, par contre, je vais pouvoir l'assassiner. Chance de toucher 100%. On peut le frapper, on peut le pousser, on peut le tirer. On peut tirer, tout simplement. On peut jeter l'arme. On va l'assassiner, hein. De l'assassinat, on veut le mettre là plutôt. Je pense que c'est en lien à ça. Il est touché mais pas assassiné. Ah, si, il est mort. Ah non, c'est quand on revient du coup. D'accord. Ok, donc non, c'est ouais, c'est là où on va nous. C'est pas là où lui dead. Là, on a des choses à droite. Ok. Et là, mon objectif, c'est d'aller, j'imagine, ici. Il y a quoi là-bas? Il y a rien, ok. C'est le tuto. Oh, il y a un mec! Putain, j'avais pas vu. Ils m'ont entendu? Le bouc, quoi. J'ai une chance de le toucher de 100%. Mais par contre, je tire après lui.
Et ça, c'est relou. On peut changer de posture et faire une roulade. Par ici. Par là. Il nous a manqué. Là, forcément, on le voit plus. Let's go. J'ai regardé par rapport à lui le temps que ça prenait. On est bon. Faut que je rechange de posture parce que là, en termes de concentration, on n'est pas bon. Et donc, si je vais là, je peux recharger ou alors ramasser son 9 mm. D'accord. Ah, c'est intéressant dans le gameplay. Du coup, on peut se reconcentrer un peu, non? Ok. Oh putain, il y a du monde. On peut tirer, on a 100%. Let's go. Il y en a encore un autre là-bas. On a 80% de le toucher. En vrai, je vais changer de posture. Et là, cette fois-ci, on va l'attaquer. Ok, let's go. Il nous reste 9 balles. On va se remettre debout. Ah, c'est intéressant, ouais. Ok, zone terminée. On est full. Let's go, on continue. C'est trouver la voie la plus rapide pour atteindre Edgar. Et bah, allons-y. Yo Red Hood, ça va et toi mon pote, t'as la forme ou quoi? On va se déplacer, on va essayer de l'assassiner. Si de l'assassinat, on va se repositionner ici. On est en pleine... Oh putain, il y avait un autre cum. On va essayer de se déplacer. On est touché, fait chier. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un autre con. Il est en train de se... On va attendre. On va attendre. Il arrive sur nous, hein, donc... On va le laisser arriver. Jusqu'à ce qu'on ait la visu. Let's go. Là, il a bougé un peu. Ok, let's go. Parfait. Ouais, ça va, je vais bien d'ailleurs. J'ai enfin ma PS5. Ah, let's go, ça, Redwood. GG. On est bon là-dessus. On est bon. Bon, du coup, il nous a touché. On a plus que 8 sur 10 de santé. Je sais pas combien me donne un bandage. Ok, il y a un mec ici. Qui se déplace. Il va pas nous voir. On va avoir le temps de le tuer. Voilà. On va rechanger de posture. Oh putain. Lui, il va se déplacer vers nous, c'est sûr. Ok, let's go. On a plus que 3 balles dans le chargeur. Et du coup, avec ta PS5, tu joues à quoi, Redwood, en ce moment? T'es sur quel jeu? Il y a de la vie ici, apparemment.
qu'on a vu? On a vu un ennemi qui, lui, ne nous a pas vu encore. On a manqué une balle. On va leur shoot en vrai. Parfait. Action tactique. On va recharger. Ah, recharger, c'est long. Hein. 2 secondes. On va se mettre là derrière le poteau. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose là-bas. Hop. On peut ramasser des bandages. Putain, ah si j'allais dire putain, je peux pas en avoir plus de 3. Mais si c'est bon. On va changer de posture. L'autre on va le voir, voilà, parfait. 70% de le toucher. En vrai, je tente. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est passe, ça passe. Je me fais contrôle avec la version PS5. Et ce week-end, je vais recommencer Ghost of Tsushima sur PS5 du coup. Oh, tu vas kiffer. Que ce soit l'un ou l'autre, tu vas vraiment apprécier, je pense. Très clairement. On va changer de posture. Toi, t'es mort. On va aller par là. Parce que j'ai un peu peur de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Faut qu'on aille où, nous? Faut qu'on aille ici. Ok, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Ok. Lui, il nous a pas encore vu. 80% de chance. Oh, par contre, il y a 2 cum. Et l'autre, il va me tirer dessus. Changer de posture. Ah, on va s'accroupir pendant qu'il nous tire dessus. On tente, on voit ce que ça fait. Ok, il nous a touché, ce connard. Par contre, on a 100% de chance de le toucher. Et lui, il n'aura pas le temps. Voilà, parfait. On fait ça. J'avais pas vu qu'il y avait 2 ennemis, par contre. On change de posture, on va se reconcentrer parce qu'il n'y a pas de limite. On se cache derrière le poteau au cas où, mais il n'y a pas l'air d'y avoir du monde. On n'a plus que 9 balles. Autant prendre un autre gun. 10 sur 17, pas de chargeur. Sur 17, d'accord. Donc on peut pas cumuler les balles. Bon, en tout cas, on a changé avec un 9 mm. Et là, je pense qu'on est bon. Ouais. Ok, sympa. Je m'attendais pas trop à ça. J'aurais dû me soigner, d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu, mais le PS Now va avoir une prochaine grosse mage. Ah, pas du tout. Vas-y, dis-moi tout, Redwood. Pas du tout. Je t'avoue que je me suis pas du tout tenu informé de ça. Je sais pas combien me donne de bandages. Ça a l'air de faire au moins 4. J'ai pas envie de me soigner maintenant pour goût. Speak for yourself. We live by a code. There are rules. Quelque chose ici. For those without the vision to transcend them. Alors, 90% de chance. Let's go, on l'a eu. Ok, parfait. Je voulais pas trop... Oh là, on l'a manqué? Fuck. Il a pas l'air de vouloir nous mettre un coup tout de suite, en tout cas. Ça, c'est bien. On peut l'assassiner, mais c'est long. Par contre, on peut le frapper, on peut le pousser. On va le frapper. Ça a l'air de tuer sa dernière barre de vie. Parfait, on l'a frappé avant. Il est touché encore. Et je crois que s'il y a la petite croix dessus, il est mort. Ils ont fusionné le PS Now avec le PS Plus pour avoir qu'un seul gros service. Ah ouais? D'accord. Et du coup, il va y avoir quoi? Il va y avoir une offre? Il va y avoir des changements? Qu'est-ce que ça va... Il y a quoi de bien pour nous, pour le coup? J'ai envie de rentrer, mais j'ai avant envie d'aller voir ce qu'il y a un peu ailleurs. Et on a bien fait d'aller voir ce qu'il y avait ailleurs. 60% de toucher, par contre, c'est pas assez. On va changer de posture. Il nous a pas vu, j'ai l'impression, pas encore.
On l'a tué. On a plus que 4 balles. Pas de chargeur. Il avait pas d'arme lui. Hein. On va rechanger de posture. On va se déplacer un peu. Toi t'as 8 balles ici. On va prendre ton gun frérot. Ok, il y a encore du monde, mais lui il a un gun par contre. On va changer de posture. Et on va attendre. Ok. On l'a touché, mais il s'est barré. On va attendre encore. Qu'est-ce que tu fais, mon frérot ? Normalement, là, on le tue avant qu'il puisse nous tirer. C'est parfait, ça. C'est parfait. On va rechanger de posture. Ok, il y a aussi une porte là pour rentrer. On a deux choix, du coup. Et il a 8 balles dans son chargeur, pardon. Et moi, faut que j'aille où ? Faut que j'aille ici. Du coup, on pourrait rentrer salon de thé. Ok. Je sais pas s'ils nous ont vus. On va s'accroupir. Attendre. Je t'avoue que je sais pas vraiment quels seront les avantages, mais c'est pour rivaliser avec le Game Pass d'Xbox. Ouais, bah ils ont intérêt de rivaliser avec le Game Pass d'Xbox. C'est tellement fort. J'ai envie de le laisser passer lui et d'attendre de voir ce que va faire le deuxième. Oh, putain, il nous a vus. Fuck. On a 100% de chance. On va lui tirer dessus avant lui. En vrai, on prend l'opportunité. Oh putain, et l'autre, il est juste là. En tout cas, l'autre, on l'a tué, ça c'est cool. Toi, on peut te frapper. On est dans la mauvaise posture pour t'assassiner. On va te frapper avant que lui ne fasse quoi que ce soit. Donc ça, c'est bien. On va leur frapper une fois. Ok, parfait. On va rechanger de posture. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Yes, il y a du monde ici. En termes de balles, il nous reste 4 balles sur nous. On a 60% de chance de lui tirer dessus, ce qui n'est pas forcément dingo. On va attendre pour voir. Ok, il nous a repéré. Je voulais voir. On lui tire dessus avant. Ok, il y a encore du monde qui arrive. Putain, mais c'est le bordel. Je peux me déplacer là, en vrai. On se met à couvert. On change de posture et on va l'attendre. Il me reste 2 balles, faut pas que j'y loupe. Normalement on est bon. Parfait. Let's fucking go. Alors, toi t'as 9 balles. Ok, faut que je rechange de posture. PlayStation aurait demandé aux revendeurs de détruire toutes les cartes prépayées du PS Now. Ah ouais. Bah, de toute façon, il va y avoir un temps de... d'adaptation, on va dire ça comme ça, j'imagine. Bon, en tout cas, le salon de thé, on l'a bien... on l'a bien, Ken. Ok. J'ai bien envie d'aller voir ce qu'il y a par ici, là. Parce que la porte d'entrée, c'était celle-ci. Je sais pas si on peut y aller, mais j'ai l'impression qu'on a un point devant. Donc, ça me tente. Je vais voir si... on
peut faire quelque chose. Non, on peut rien faire. Du coup, on va se reconcentrer. Hein. Garder les deux qu'on a eu là. Hop. Ah, j'aime bien. Petit jeu de chill là. Pour que ce soit. Oh putain. Bonjour. Enchanté, cher monsieur. Oh, je t'avais pas vu toi non plus. Et lui, je pense qu'il m'a vu en vrai. Et de toute façon, il arrive en plein sur moi donc. Toi, ça meurt. On peut lui tirer dessus. Il est encore en train de se déplacer. On a 90% de chance de le toucher. Ou alors on se déplace, mais il aura un peu de temps pour nous frapper. Ou alors on attend tout simplement. Parce que j'ai envie de garder mes balles un peu en fait. Voilà, je voulais le frapper sans qu'il se passe quoi que ce soit. Site de l'assassinat, on va se replacer là. Let's go. Ok. Il nous reste 7 balles. On va ramasser ça. Après, je sais pas si tu as le même avis, mais les jeux du PS Now sont de moins en moins fameux au fil des mois. Ça fait 3 ans que je suis abonné au service et je trouve ça de moins en moins bien. Bon, en fait, ça dépend vachement des mois, je trouve. Tu vois, ce petit jeu-là, par exemple, PS Now, moi, ça me va, tu vois, je suis ok. Mais si on enlève la rivalité ou la concurrence qu'on pourrait avoir avec le Game Pass, qui pour le moment ne rivalise avec rien, c'est juste monstrueux ce qu'ils font en fait. Putain, il y a encore du monde, frérot. À un moment, faut que ça s'arrête par contre. Hein. Il a pas d'arme, je crois. On va se mettre accroupi, il nous voit pas. Du coup, je termine. Parce que le Game Pass pour l'instant, il rivalise avec personne. Enfin, c'est juste, c'est trop fort. Si on compare Game Pass et PlayStation Plus, PlayStation Now. Mais en fait, sur le PS Now, t'as des petites pépites qui ne semblent pas être des petites pépites, mais c'est parce que c'est des jeux qui sont peu connus et qui sont quand même plutôt fameux et intéressants à faire. Après, regarde, là, ils viennent de sortir plein de Final Fantasy sur le PlayStation Now. Il y a pas longtemps, il y avait The Last of Us, le 2 qui était dispo. Enfin, moi, je trouve que, en vrai, c'est OK, quoi. C'est OK. Là, ils ont mis Mortal Kombat 11... Pourquoi pas? Ce qui est difficile, c'est qu'il faut que ça plaise un peu à pas mal de gens quand même. Ok. On le frappe. On va le toucher avant. Il fait rien. Ah, il est étourdi. Ok. Ah, et on voit la barre d'étourdissement. Ok. Parfait. Et là, il est mort du coup. Bon, j'ai bien envie de bouger cette fois-ci. On va changer de posture. Il y a encore une porte qui vient de s'ouvrir. Non. Attendez. Non, je crois pas. On est bon. Donc ça veut dire qu'on ouais, on peut pas ouvrir cette porte. Mais ouais, je pense qu'il faut... Après, dans le fond, je te rejoins aussi. J'ai l'impression qu'on manque un petit peu de jeux cool et intéressants, mais... Oh, fuck. Tirer, c'est trop long. On va attendre un petit peu. Allez, rapproche-toi de nous. On t'assassine. On devrait être plus rapide que toi. Et on va se repositionner ici. Oh putain! Alors là, par contre, on va bouger. On va bouger ici. Ils ont pas le temps de me toucher, ouais. C'était juste, mais bon. Le truc frustrant, c'est quand ils mettent des jeux. Ouais, par contre. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ouais, c'est ça qui me déplaît presque le plus, en fait. C'est quand ils mettent des jeux dispo sur le PS Plus, sur le PS Now, ou inversement. Ça, vraiment, c'est horrible. Vraiment, ouais. Je trouve ça vraiment horrible. On va changer de posture, vite fait. Et on va attendre patiemment. Parce que lui, on le voit. Combien j'ai de chance? J'ai 80%. En vrai, c'est OK. Ok, là c'est plus ok par contre. Parce que je suis plus à vue de lui et il y en a un autre qui va arriver. On va encore attendre du coup. Le truc c'est que je vais me prendre les deux sur la gueule là. Ah ouais, non mais normalement. Attends, comment ça. Je vais vraiment lui tirer dessus après?
fuck? Ah, c'est chiant ça. Je peux roulade. Je reroulade. Je suis touché. Ça n'a rien changé. Il me retire là? Oh le bâtard. Ok. Il est étourdi. On le refrappe. Il est mort. On va se mettre un... On va changer de posture et on va se mettre un bandage. Ah mais ça me redonne toute ma vie. Ah, en tout cas ça a l'air de me redonner toute ma vie. Où est-ce qu'il est parti l'autre là? Il est parti par là. Est-ce que vraiment il est... Oh putain, mais il y a encore du monde qui arrive. En vrai c'est une dinguerie. Hein. Faut que je me casse. Hein. Putain, j'ai pas ramassé de chargeur de 10. Hop. Il est où l'autre? Putain, l'autre est là. 50% de chance de le toucher en tirant là. Ok, on s'accroupit, il nous a vu, il va nous tirer dessus. Et nous, ça arrive que... Ah non, on tire avant, let's go. On l'a manqué. On l'a touché, manqué. Et l'autre est où là? L'autre est derrière. Ok, on va rechanger de posture. Là, si je lui tire dessus, j'ai 70% de chance de le toucher. On est touché, nous aussi. Ça fait quoi si... Putain, mais il y a du monde partout, frère. On a attiré toute la rue en faisant ça. Est-ce que je peux juste me barrer? Sortie verrouillée, ennemi proche. Ah, les enfoirés. Bon, on aura testé. Par contre, là, on va se soigner obligatoirement. 3 secondes, ça devrait aller. Allez! Putain! Alors là, on peut pas... on peut pas faire autre chose, là. On est étourdi. Tirer sur la gueule. Ça dégage. Ok. Il nous a mis 2 de vie. Hein. Heureusement qu'on s'est soigné en vrai. On va te tirer aussi sur la gueule, frérot. Je suis DSL, mais. Du coup, j'ai plus que 3 balles. On va aller chercher ça. On n'a pas le choix. On aurait pu prendre celui de 8 à côté, mais. C'est important qu'on ait un peu de balles pour la suite de notre aventure. J'ai vu le nombre de cum qu'on a tué. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'ennemis proches. On a l'air d'être ok. Parfait. Parfait, parfait. Waouh, hey, c'est vénère un peu, non? Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. C'est hyper intéressant du coup. Je me fais une clope vite fait. Je vous ai dit que je vous mettais la cam, j'ai complètement zappé. Mais peu importe, je vais me faire une clope. En vrai, très stylé. Une demi-heure de jeu là-dessus. C'est intéressant. Par contre, j'ai cru que ça n'allait jamais finir là, le moment qu'on vient de vivre. Merde. Reste en vie, petit pot de tabac. Puis tu vois là par exemple, là je y repense, Red Hood, là sur le PlayStation Plus par exemple, ce mois-ci, en vrai il y a eu Deep Rock et il y a eu Dirt 5, et pour moi les deux jeux sont excellents. Alors attention, il y a bien sûr plein de points négatifs des deux côtés, mais enfin, on a un jeu multijoueur coop en ligne, très sympa, très fun, vraiment, faut pas se mytho qu'à 4, c'est de bonnes rigolades, et en même temps pas si simple. Et puis on a Dirt 5, un jeu de course. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu de jeu de course sur le PlayStation Plus, si je me trompe pas.
qui est jouable en ligne, il y a une grosse carrière, c'est joli graphiquement, en vrai c'est ok. Il y a toute la tique et la vibration de la manette PS5 qui est utilisée. Je trouve que ça va. En tout cas, ce mois-ci, on a été plutôt gâtés. Donc ça fait plaisir. Je sais que c'est pas tout le temps comme ça. On va l'assassiner. Ça, je sais que ça prend du temps, mais... Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, il y a plein de choses que je regarde pas du tout. Mais bon. On va se repositionner ici. Comment tu peux crier ? Donc là, ça peut arriver dans notre dos et devant. Sachant que notre objectif, c'est d'aller ici. J'ai presque envie d'aller là. Voilà. Voilà, voilà. Et d'attendre. Ça, ça dégage. 60%, c'est pas assez. On va se mettre accroupi. Et lui va nous tirer dessus. On va attendre un peu. Est-ce que je... Ah, si je roulade, je roulade en même temps. Let's go. Ça, c'était très bien tenté de notre part. On s'est rapproché. On a 100% de chance de le tuer. Ok, on lui a mis les deux balles en plus. C'est parfait. Il nous reste 6 balles. Il a un chargeur de 10. On va rester avec ces 6 pour l'instant. J'ai envie de reculer encore en vrai. On va changer de posture. Et on va attendre. Rien pour l'instant. Ok. Ok, on a un mec qui arrive. Qui a l'air énervé. Toi, t'as envie de nous frapper. Toi, t'as pas d'arme, toi. T'es un combattant. Bon, on va essayer de prendre le fight contre lui. On va essayer de tirer au gun ceux qui ont un gun et de prendre le fight contre les autres. Il faut que je change de posture d'ailleurs. Il faut que je me remette. Ah non, là je me tiens debout là déjà. Ah non, j'ai pas besoin de changer de posture. Juste je le touche pas quoi. Ok. Là non plus. Ok, là je le touche. On va assassiner. On va se repositionner derrière. Ok. On va aller prendre le gun. On va avancer petit à petit parce que à notre droite là, ça peut arriver et derrière nous également. Et il y a un mec qui a ouvert une porte. Ok, il y a un mec qui va arriver où derrière. Non, j'ai pas de porte ouverte. C'est lui qui vient d'ouvrir une porte. Qu'est-ce que c'est qu'on a entendu là? 90% de chance. Lui va se déplacer vers nous. Il a, c'est un combattant, il a pas d'arme non plus. En vrai, on va se repositionner par là. Et il vient de battre. On va assassiner et on va se repositionner là. Putain, t'avais un pote, t'aurais pu me dire. Je peux rien faire, on va attendre encore. Je peux rien faire, on va attendre. Et là, normalement, on est bon. Ok. Ok, on a de la vie sur la gauche. Si je me mets là... Ouais. Oh quoi ? Je peux pas le, l'assassiner ? Pas adjacent ? Ok. On va se rep... Quoi ? Ah ouais. C'est parce qu'il bougeait en même temps. Ok. J'ai plus de concentration.
Parce que l'assassinat m'en coûte. Putain, il y a encore un cum. Par contre, lui, il est armé. Ok. Il vous laisse un chargeur de 10 balles par terre. On va aller prendre le bandage. On va aller prendre ça. On va avancer. Faut que j'aille où ? Faut que j'aille à la porte là. On va se mettre là, derrière le poteau, au cas où ça arrive de notre droite. J'ai pas l'impression. Oh, bonjour. Tirer 100%, on y va. Ok, on en a manqué un. Ok, une balle suffit. Lui a déjà prévu de nous enculer. Qu'est-ce que tu fais là, frérot? Si on le tire, on le tire après. Par contre, si on lui jette l'arme dans la gueule, on lui jette avant. Il est touché et étourdi. On va s'avancer. Et on va le frapper. Il est dead. On va lui prendre son chargeur là, au cas où. Au plus proche. Okay, il y a encore un mec qui arrive. 70% de chance. Parce que lui va tirer. Il devrait pas nous avoir si je me mets là en vrai. Let's go. Très bien ce qu'on a fait là. On va avancer vers la porte. On prend l'arme. Let's go, on est bon. On a 3 bandages, 8 de vie sur 10. Et on n'a pas de chargeur par contre. Et on peut voir le replay. Oh, c'est marrant ça. Oh, l'esquive. Ça me fait penser à, au jeu de gun, comment ça s'appelait? Super Limit ou un truc comme ça, non? Ou vous pouviez revoir votre scène aussi à la fin. C'est excellent. L'arme dans la bouche. Let's go. Sacré John Wick. Ah bah incroyable John Wick. Incroyable. Ok. Stand on safe ground. Safe? Nowhere in this city is safe. My people lack the protections and grand illusions. Où est-ce qu'il faut que j'aille là? Il faut que je monte à l'étage. Où est l'escalier? We live outside your... Je crois qu'il n'y a pas d'escalier, mais en tout cas, il va falloir que je passe par là. C'est très couloir du coup. Ok, donc il y a bien personne à droite. Et on n'a pas grand monde par ici pour l'instant. Ok. Lui, on l'a vu. 80% de chance de le toucher. On lui tire dessus avant. Et lui, il veut nous... Il veut se la mettre. On va l'assassiner en vrai. Je pense qu'on a le temps et on va se remettre par là. Au cas où. Visuellement, on voit personne par là. J'ai plus que cette balle, je devrais peut-être prendre ça.
Ouais, ce jeu est sur PS Now, ouais, c'est de là que... Oh putain, il est loin, lui. Hein. Ouais, mais il nous a pas vu, je pense. C'est de là que j'y joue. Attends, parce que si lui nous a vu, c'est une dinguerie. Hein. Oh, ils sont deux. Ouais, 40%, c'est beaucoup trop faible. Putain, j'ai plus de chances de le tirer lui parce qu'il est... Parce qu'il bouge pas, en fait. Parce qu'il attend. Ok. On va bouger ici et on va changer de posture. Oh putain, il y a un cum qui arrive là. On change de posture, c'est un combattant donc on va l'attendre. Il y a un mec qui arrive à droite par contre. Oh, les deux arrivent là. Il y en a trois en tout qui arrivent. Oh putain, c'est la merde. On pourrait peut-être se déplacer là en vrai. Histoire qu'on soit à couvert des autres. On va attendre. Ok, let's go. Il est mort. On va attendre. On va les laisser venir vers nous. Let's go. Oh, le massacre! Il nous reste une balle. On va prendre ce chargeur de 10. Et on se déplace. Ok. Ok, il y a un cum qui est ici, qu'on voit grâce à la fenêtre. Il est en train de se déplacer, lui. Lui, c'est impossible que je l'ai, ouais, 40% de chance. On peut tester, en vrai. Ouais, on a bien fait, on a bien fait. Et l'autre, du coup, il va faire le tour ou il va aussi attendre à la fenêtre. En vrai, je peux peut-être changer de posture, en roulade. Encore. Parce que du coup, ils peuvent pas me voir en faisant ça. Hop. Et là, on le défonce. Surprise, motherfucker! On se reconcentre au cas où. Ça a été bon, hein. Sortie verrouillée, ennemi proche. Ok, c'est bon. Fallait juste attendre qu'il meure vraiment. Parfait, ça. Parfait, parfait. Boss. Putain. C'est l'heure du boss. Ok, on a un bandage ici. Le boss est où? Il va être par là. Bonjour monsieur. On va le frapper. Et on va le refrapper. Lui, on n'est pas bien par contre. Ok, j'ai essayé de m'accroupir en mode... Ok. Il ne reste plus que 4 balles. On va changer de posture. On ramasse. On va passer par là cette fois-ci. On prend le bandage. Ok, lui on peut l'attendre. On va se repositionner plutôt par là.
Ok, lui, si on tire, on tire après lui. Par contre, si on lui jette notre arme dans la gueule, on le fait avant. On va faire ça. Ensuite, on va... Ouais, on va bouger vers lui. Et on devrait le tuer comme ça en le frappant. Putain, il y en a encore un autre derrière. Parce que là, si je ramasse, ça m'emmène trop tard. Je peux changer de posture et rouler vers lui. Ok, on a quand même été touché, sale bâtard. Il nous retire là. Non, on n'est pas hyper bien là. Ok. Oh, on va le frapper en même temps qu'il va tirer. Et si je le pousse, c'est pareil. Par contre, je peux parer. Du coup, il est étourdi. Let's go. Et là, je le frappe. On va ramasser le 9 mm. On va se reconcentrer. Et on va se soigner. Parce que si jamais ça arrive à un moment où c'est la misère, il vaut mieux que ce soit maintenant. Ok, donc le connard est là. Attendre qu'il bouge. ?20%. Waouh. On va se mettre là et on va attendre. Comment je peux avoir que 20% de chance de le toucher? ?40%. Par contre, je peux lui jeter mon arme sur la gueule, j'ai 100%. Et là, je peux l'assassiner. Et on se remet là. Oh là, incroyable ce qu'on vient de faire. On se déplace, on reprend notre gun. Quoi? Bah frérot, faut mourir. Parce qu'il avait un boubou. On va se replacer là-bas. Meurs, j'ai dit. Ok, en fait faut que je lui tire dessus pour le détruire maintenant. On va le réassassiner. On le retire dessus. Et là normalement on est bon. On le frappe. Non, faut que je le réassassine. Non, je peux juste étourdir comme ça. Et là je lui tire dessus. Ok, putain la vache. Zone terminée. Waouh. Oh, c'était hardcore là. Je le fais parce que c'est trop marrant. Oh, c'était une dame, j'avais même pas vu.
Oh le bordel. Et là c'est full assassinat frérot. Ça n'a pas de sens. Incroyable. Terminé Chinatown. Ok. Nous venons gagner pour ce lieu Alyosha Popovitch. Une redoutable précision. Wick ne manque aucune cible et utilise très peu de munitions. Ok. Faites mieux que tous les parts à la fois pour gagner un nom. Faites mieux que le part pour gagner un nom. Faites mieux que le part pour gagner un nom. Ah ouais, putain, bandage utilisé, faut que tu en utilises zéro. Putain. Et du coup, en précision de tir, j'ai quand même eu... Ah non, j'ai eu 93. Type d'arme utilisée, 2. Bah, de toute façon, t'as pas le choix, ouais. T'as pas le choix. Ok. Continuez. Edgar was loyal to the end. He told Wick nothing. A stronger man than many would be in his situation. I presume from your demeanor that this was not the end of Mr. Wick's search. Oh no. He'd barely begun. Why on earth did you bring us here, Hex? It has been wonderful catching up, I must say, but there are other matters we could both be attending to. You are the key to a particularly difficult lock. You see, the High Table who rule over your hotel, and the world beyond it, they're a mask. A polite facade, like all governments, over a simple truth. Power defines our place. Power defines our reality. The High Table has never been shy in this matter. All declare fealty. All must be of service. Well, maybe not all. All who wish to keep their heads? The powerful. You see, they don't respect those who bend the knee. They celebrate them, flatter them, give them titles and lands and the illusion of self-determinism, but they don't respect them. Power respects power. To earn a place by their side, a man needs to demonstrate power. Is that why you plucked his own route? An attempt to demonstrate power? No. See, killing you on the steps of the Continental, on sacred ground, and fearing no repercussions, that demonstrates power. They will hunt you down. The adjudicator will respect me and my birthright. Please, continue your story. I wonder where Jonathan went next. Elysium. One of Wu's clubs. Cheap thrills and overpriced drinks. Its only admirable quality is its owner, a brawler named Osborne. Man after my own heart. Wick thought someone like Osborne would know where to find me. But to ask... He need to fight his way to the center of a fortress. Ok. Bon, en vrai, le jeu est hyper intéressant. L'argent non dépensé n'est pas conservé. Exécution. Continuez. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Je crois que je viens de me tuer. Peu importe, en tout cas, de toute façon, vu qu'on s'arrête là. Chouette découverte, en vrai. Chouette découverte, le jeu est hyper intéressant. Bon, graphiquement, ça pète pas trois pattes à un canard. Loin de là. C'est même un peu déplaisant sur les cinématiques, en tout cas, ce qui sert de cinématique. Mais l'idée du jeu est intéressante, c'est pas le seul qui fait ça. Donc non, c'est chouette, pourquoi pas. Et puis, un jeu sur John Wick, c'est toujours un peu badass.
Mais why not? C'est chouette. À vous de vous faire votre avis. De toute façon, il est dispo sur PlayStation Now, bien sûr. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo qui sert à YouTube surtout. Nous en stream, on revient tout de suite parce qu'on va tester un autre jeu du PlayStation Now qui est dispo actuellement et que je mettrai aussi sur la chaîne YouTube plus tard. Des bisous. À tout de suite. Bye.